Bonsoir, nous bulletin nouvelle pour ce mardi le 4 octobre. On nous voit bien pour principal sa bulletin pour commencer. Dans le bulletin tantôt, nous pouvons voir que sa individu dépense environ 300 000 roupies pour faire ses mains et environ 1,3 million roupies pour préparer terrain pour construction. Le Samor sur la terre, qui ministre pour la terre et la case, il dit gouvernement in vendre Sorrento. Ministre Billy Rangasamy peut répondre à un private notice question dirigeant l'opposition à l'Assemblée nationale, l'Osamor sur la terre qui média Haïti et poursuivre Ziz. Toujours dans l'Assemblée bon matin, suivant une question dirigeant les affaires gouvernement de l'Assemblée, vice-président Ahmed Afif y annoncé que le gouvernement peut faire provision de Bitsi l'année prochaine pour construire un nouveau archive national. Cesser les lignes européennes d'accord pour plus de coopération dans le domaine de sécurité maritime, changement climat et position la guerre Ukraine. Ça, il n'y a pas de 9e rencontre entre Cesser et l'Union européenne. Aussi dans le bulletin, une délégation sortie contre la compagnie Mazda qui est basée à l'Emirat Arabe Uni. Ils ont avec le président Wilbraham Calawan bon matin pour continuer la discussion sur le développement de l'énergie renouvelable ici Cesser. Amnesty International et aussi certains citoyens sicilois peuvent demander au gouvernement sicile pour ratifier le protocole embarqué à la Cour d'Afrique pour Ziz Bankala Bidouaïmé qui a permis aux 15 sicilois qui sentent qu'ils ont pas gagné un jugement Ziz devant la Cour sicile et capable de mettre autres cas devant la Cour d'Afrique. Bulletin en détail. Ministre responsable pour la terre, Billy Rangasamy, dit que tout procédé suivre de la vente de sa mort sur la terre, Hatcher 8312 Sorrento, avec un individu qui a identifié dans les médias comme Sevzis Ronnie Govinden. Ministre Rangasamy dit que le dossier sa transfert la terre, TN, qui est dans stase, peut finaliser et que sa individu pour besoin à dépenser environ 1,6 million roupies pour faire ses mains et préparer terrain pour construction de la terre. Il peut répondre à un private notice question dirigeant l'opposition, Sébastien Pilet, le sa transfert la terre. Pour noter qu'il y a une question et la réponse sa PNQ au matin, pas nommant sa individu dans sa cas, qui nous connaît, il sait Ziz Ronnie Govinden. Ça, à cause d'une régulation, l'Assemblée qui dit, faut une motion pour faire ça, l'état PNQ est lié à bon aux officiers avec les présidents, vice-présidents, speaker l'Assemblée et bon Ziz parmi les autres. Avec bi honor l'engagement de l'Assemblée nationale pour l'éclaircissement de l'OBAN-CISE qui concerne PIPCC-LOA et retire spéculation après que certains documents arrivent dans le domaine public concernant un transfert à la terre, parcelle H8312, qui a été autorisé par le gouvernement récemment et qui aussi soulève beaucoup de questions parmi nos populations. Est-ce que l'Assemblée est capable d'avoir une explication de l'eau? Qui bonne raison derrière l'approbation pour transférer sa parcelle la terre? Sa transfert la terre, il vient après un pelletan qui s'appliquant, qui peut transacter avec le ministère Losonka. Basé le record, s'appliquant, il fait une application avec le ministère en 2018, pendant qu'il a pu résoudre certains problèmes personnels. Ancien gouvernement, il donne. Pour répéter, Tim donne l'engagement pour une solution en ligne avec ce qui est arrivé. Bonnet 2021, mon ministère a recevra un nouveau demande à travers une lettre pour lui acheter un mot sur la terre et s'appliquant y a un cessez-le-roi. Après que Tim fait certains recesses, le bon carré la terre qui est un peu vide ou bien pas développé dans différentes parties cessez-le. Sa mort sur la terre est identifié et mon bon technicien qui fait cette analyse. Nous là pour résoudre le problème et nous avons un bon dossier. Alors, avec toute sincérité, nous travaillons. En ligne avec l'engagement gouvernement précédent, pour répéter, en ligne avec l'engagement gouvernement précédent, ça l'application qui est considérée pareil, nous considérons aucune application pour mort sur la terre. Tout procédure qui est suivre. Et après, une correspondance appropriée, le gouvernement n'a pas aucune raison à cause allocation pas capable quand il fait. Depuis 2008, plusieurs du monde ont visité. Personne ne pense à la terre. Tout le monde a refusé. C'est pour ajouter
qui dans conversation avec cet individu à cause du gouvernement y en a imposé land bank à côté de cet endroit. Cet individu il dépense lui environ 300 000 roupies pour faire ses mains et préparation son site Sakari la terre 92 pour construction il coûte lui à peu près 1.2 à 1.3 million roupies. Ça veut dire 1.6 million roupies besoin dépenser. Gouvernement dépense un sou là-dedans, ils sont responsabilités. L'intention gouvernement est séparé qui est individu de être capable d'astaiser ce carré la terre gouvernement. Ça, il répond le ministre Rangasami suivant une autre série de questions misépilées. Par exemple, qui position gouvernement, ça qui concerne police, doit astaiser ce carré la terre gouvernement. Le ministre Rangasami dit que toute vérification est faite pour assurer qu'un individu n'a pas aucun la terre enregistré de son nom avant qu'aucun transfert y gagne fait. Mais il y en a l'exception. Souvent, première acquisition, il a un couple. Mais après, pour certaines raisons, notre relation est cassée. Alors, la cour, il donne soit sa monsieur ou bien sa madame, sa la case ou bien sa la terre. Sa haine, qui pas gagne sa bien, il souvent retourne contre le gouvernement et fait une application. La terre, il gagne vendre dans sa bonne circonstance. Mais à tout moment, les temps ça dit monde il gagne sa mort sur la terre, sa nouveau mort sur la terre ou bien sa la case n'a pas un deuxième la case ou bien la terre qui a son nom. Ça veut dire il besoin faire si et compléter sa transaction avec bureau l'enregistrement de la terre et il pas pour gagner sa procédure compléter tout le temps il peut faire ça. Sa bonne cas pareil il gagne considéré pour son propre mérite et décision appropriée il gagne faire. Alors, mon envie mettre l'emphase sur le fait que les temps à la terre, si gagne transfert, le sa individu, tu n'as pas aucun carré la terre, le son nom, et alors sa location, tu gagne fait. Est-ce que sa individu en question, tu n'as déjà gagné les autres plots de la terre gouvernement, qui ne soit vendre, ou bien in dispose of d'une autre façon? Sa transfert, il gagne fait le market value un peu plus qui 1 million roupies. Mais paiement, il gagne fait le un peu plus qui 100 000 roupies. Combien stamp duty il gagne payer sa transaction et est-ce que stamp duty il gagne payer le market value par la loi exigée ou bien est-ce que stamp duty il gagne payer le prix qui ça dit mon il payer? In which case, ça représente quelque chose qui pas régulier. Pas régulier. Tout bandit monde qui tombe bas à la loi, il gagne un allowance pour quoi? Près 25 000 ou puis par mois avec l'État pour louer la case. Sur l'individu en question, parti destitute, parti d'un problème, parti d'un aucun ça. So, explique-nous, ministre, quoi coupé dit par compassion en relation avec les autres applicants qui me messenger moi hier soir et qui me dit moi, qui envoie message, moi qui contacte moi, qui me dit moi. À cause que le gouvernement parti mettre sa carré la terre en question, vu qu'il personne pas tué, le tender, à cause plusieurs dit monde du monde, ça va ne parler pour les autres, venir développer sa carré la terre. Ça individu, tu as assisté comme un couple auparavant? Oui. Il y a l'autorisation du gouvernement auparavant pour relever restrictions pour les vendre carré la terre? Ça, il bon fait à le tender. Il y a une bonne question. Mais par contre, dans sa l'optique pour autre solution, et ça t'y est une bonne solution qui peut développer les temps, sa dossier d'une avancée, nous t'y, une fois pour tout compléter ça, pour nous régler ça, situation. Et mon effet est sorti, les individus t'y approche nous et que sa option, il t'y a une option qui nous t'y analyse les bien pose. L'eau s'assise compassion. Compassion, mon point de vue, mais lève ça point là demande la réponse et ouvertement demande une question qui tu viens avec SBC et que tu laisses c'est le oui on t'y fait ressortir ça point mais là en tout respect pour ça individu mon point de vue ça point demande la réponse c'est clair mon point de mention ça dit tout demande la réponse. Secrétaire principal pour la terre, Muriel Morgan, il dit et pour raison restriction qui gouvernement il vend la terre à un prix subventionné. Tout la terre gouvernement
qui gagne vend at a subsidized rate, il gagne vend le même subsidized rate. Et son average à peu près 125 coupes par mètre carré. Raison à cause nous met ça subsidy en place, c'est que ça y allow nous pour nous capables de mettre sa restriction développement avec la vente l'eau bon la terre. So as much as possible pareil tout en nous dit nous envie qui du monde qui bénéficie pas perdre de suite ou bien dans un petit moment le temps revendre ça la terre pour un prix qui est exorbitant et c'est pour sa raison qui nous met sa restriction la vente pour 15 ans. Le côté stamp duty, moi, on a parlé de formation de suite devant moi, mais seulement, ma vaca a passé les formations avec honorable. Mais juste pour me confirmer, pour dire oui, stamp duty, gagne prend le valet massé salataire et pas le valet, subsidized, unless qui stamp duty gagne retiré pour bon du monde qui fait première fois qu'ils ont acheté la terre avec gouvernement. Et normalement, pour nous capables de boost devant en termes stamp duty payment, c'est le côté bio registra qui fait tout nécessaire basé l'évaluation pour se donner qui quantité qui stamp duty il gagne mettre devant. Est-ce qu'il est trop tard pour au ministère gouvernement faire ça dit moun payer l'autre somme l'argent pour qui ça la terre qui inasté il vient un prix il tombe dans sa zone pareil nous dit il gagne son real market value. M'apprécier ou proposition pour mettre devant m'a commencé sa challenge qu'on met deux mois pour revoir combien nous avons peut-être consulté à l'interne et voir qui moyen nous capable réapproche sa individu parce que bon quoi on est bon point et na il a atteint fini transfert soit compliqué techniquement mais pourquoi pas mon propos au conseil sérieusement et mon demande mon collègue PS là pour nous lancer un dialogue. Vice-président Ahmed Afi vient annoncer mais pas avec beaucoup de détails que gouvernement il fait proposition pour d'habiter l'année prochaine pour construction un nouveau archive national. Ça l'annonce. Il aussi en question dirigeant affaires gouvernement de l'Assemblée nationale Bernard Jose de session de bonnes questions aujourd'hui. Vice-président il dit qu'un bout de la terre il finira identifié pour s'apposer qui pourra gérer par l'agence l'infrastructure. Est-ce que vice-président est capable d'expliquer l'Assemblée l'état archive nationale aujourd'hui et plan pour réhabilitation sa l'institution important pour l'histoire de nos pays. Il n'est pas idéal du tout. Mais mon cadeau nous l'assurance aussi que nous l'intention pour sans cette situation et mettre les à jour, mettre les à la hauteur l'expectation du monde. Pareil, vous-même, on mentionnait, du monde qui a envie de servir l'archive, il y a l'institution très importante pour un pays parce qu'il garde l'histoire, il garde beaucoup. Beaucoup de choses qui, beaucoup de monde qui peut faire recherche et tout, ça va content voir, connaître. Et nous pouvons faire tout ce qui nous capable pour nous faire ça arrive aussitôt possible. Nous avons un budget, des actes qui nous mettent de côté pour l'année prochaine. Et aussitôt, qui plan est avant de parler, location finalisée, nous avons fait le nécessaire pour monter ça l'archive. Si pour aussi, on a une deuxième question pour vice-président Ahmed Afif, l'OSN quantité livre et Mabra qui State House tiasté en 2008 à 2010 pour Presidential Library. Benajos tire sa question à cause dit il finit gagnant l'information pour son question. Chief Whip United Seychelles à l'Assemblée nationale, Sylvain Lemiel, un beau matin, exprime son désappointement aux décisions Speaker Roger Mancienne pour sans order paper qui comité business l'Assemblée Tinagre Lola. Il fait ça dans un matter of privilege, continue aussi dit qu'il n'a pas gagné consulté le savant changement. Dans son explication, Speaker qui exprime regret dans l'état qui son décision inmettait le travail de l'Assemblée. Il explique qu'il y a une bonne raison qu'il prend sa décision lui-même. Il y a cause plusieurs ministres qui participent des rencontres avec les officiers de l'Union européenne. Et bon, ambassadeur speaker, il aussi résite commentaire Madame Lemiel, qui bon ministre, il manque respect pour membre l'Assemblée nationale.
Mon senti, Mr. Speaker, qui ça peut venir un petit peu courant. Ça a fait ministre, pas peut venir répondre à question de l'Assemblée et même Koga aussi nous peut gagner le même problème. Si mon papa le Koga là, à cause tout le temps, l'État nous prend un hearing, là nous peut aller en vendredi ou t'en dit, pas peut pas venir à cause de cropped up avec beaucoup de travail. Moi, ça compte faire ressortir, Mr. Speaker, qui avant ça, à cause d'une précédence, ça, nous tenons LDS à côté de la table. Ils ont tout le temps mettre pression le nouveau ministre et même ces gens l'Assemblée ils a arrêté pour faire certains ministres venir de l'Assemblée venir répondre aux questions et aujourd'hui nous voit qu'il est possible pour nous capables faire quelque chose pareil or il pas facile pour nous gagner sa ministre si EU in vini ils sont EU ils sont priorité alors l'Assemblée lui-même il pas autre priorité mon senti ça y a un manque de respect pour nous comme abonnement de l'Assemblée. Et moi, je suis content de plaider, Mr. Speaker, moi, je suis content de plaider qui sa latitude, qui discontinue. Zis le cise respect, mon pour dire, mon quoi pour dire, ça y pas faire par manque respect. Et mon senti que ministre, il y en a un respect pour l'Assemblée, pareil, nous nous respectons, bon ministre. Et nous pour essayer, pour faire essayer que ça bon décalage, ça arrive encore. L'Assemblée nationale a aussi adressé Matter of Privilege qui membre proportionnel US Wallace Cosgrove Tina Mene ça tient pour faire avec une question isant le bon dimon qui pas encore gagne l'assistance financière temporaire 500 roupies. Speaker Roger Mancini dit qu'il parmi les autres raisons, il pas accepté sa question et à cause MNE Cosgrove pas suivre procédure. Et pour finir son travail aujourd'hui, tout membre de l'Assemblée nationale il vote en faveur et proposition pour que le gouvernement et la Banque centrale y étudient des difficultés qui ben dit monde qui fait business et fait face avec pour gagner financement avec la Banque de développement. Ça tire une des motions par MNE pour Grand Asmaï Raven William. Un homme de son trentaine d'années, Manuel Antoine Frémino, il a été trouvé coupable pour la mort de Catherine Moustache, 51 ans, qui sont les causes qu'il a trouvé dans l'armée en Salamouche, dans un mirante un café en mars 2019. Frémino, il condamne 8 ans de prison pour homicide involontaire ou bien manslaughter. À part son 8 ans de prison, Zizin aussi impose l'amende 125 000 roupies de Frémino. Les deux enfants, sa victime, pour gagner chacun 50 000 roupies. La police peut faire l'enquête dans des cas séparés qu'on dit fait une remise par exprès dans des différents endroits après tout ce temps hier soir. La police dit qu'il y a été l'incident un petit peu avant 11h du soir dans une plantation en banane au bord de ses mains, pas loin avec la boutique. Dès la police arrive à 6 places, ils ont averti qu'il y en a un deuxième différent derrière la sapelle. Qui parle loin avec l'endroit pour le premier diffé, tu peux prendre l'agent service de diffé sur Taz, sorti en ce bois-là, tu forces intervenir pour t'aider à des diffé. Suivant ça, dès l'incident, la police peut demander au public qui est capable d'en l'information lorsqu'il y a des diffé pour contacter CID en soyal ou bien centre commande la police en ville. Merci pour rester avec nous. Nous continuons avec l'Union européenne et Cécile qui nous joignent pour son 9e rencontre politique. Aujourd'hui, les deux côtés discutent de plusieurs sujets qui incluent l'environnement, changement climat, l'économie blé et l'agriculture. Parmi les bonnes priorités, la sécurité maritime et une solution pour la guerre Ukraine. Aujourd'hui, Cécile et l'Union européenne nous joignent pour son 9e dialogue politique. C'est ambassadeur de l'Union européenne pour Maurice Cécile Vincent Déger qui peut diriger la délégation de l'Union, accompagné par ambassadeur et représentant 9 pays de l'Union européenne. Et l'autre côté Cécile, c'est ministre pour les Affaires étrangères et tourisme Sylvestre Radigonde qui a humilié la causerie. Ministre Radigonde il dit que la sécurité maritime et la guerre en Ukraine sont parmi les bonnes priorités pour Cécile. Our engagement, covering a wide range of political, environmental and socio-economic issues, allows us for an extensive dialogue, reaffirming our mutual interests and values. It promotes sustainable development and climate action, encourages development cooperation, and strengthens strategic partnerships in key priority sectors.
Seychelles depends largely on maritime link for its trade. Maritime security is therefore a key component of our economic development. In this regard, I wish to reiterate the Seychelles government's appreciation and thanks to the EU for the important role that the EU-NAVFOR is playing in our region in combating maritime crime. And I would like here again to reiterate our support and our appreciation for the extended mandate that is proposed for the force. The Ukraine-Russia conflict is of great concern to Seychelles, as it poses a grave threat to global security and world peace, with serious ramifications for the entire community of nations. The Ukraine-Russia conflict is negatively impacting our economic recovery efforts after the COVID-19 pandemic. A more serious task lies ahead of us to manage global inflation and the pressures being placed on domestic food and energy security. In this regard, we welcome the EU's concerted effort to tackle the global food crisis, and we call for the expedited implementation of the EU Global Food Security Response Initiative. Ambassadeur Vincent Léger, il dit qu'il apprécie le partenariat et support CICIL, surtout en ce qui concerne la crise en Ukraine et l'effet du changement climatique. Today's dialogue is an opportunity to reaffirm the strategic partnership between the European Union and the Republic of Seychelles and to discuss how we can further work together to overcome the many challenges that lay ahead of us, both in the region and in the wider context. In fact, today we face a simultaneous triple crisis. Russia's war of aggression against Ukraine is keeping the world abreast and is impacting everyone directly or indirectly. Not only has it led more than 7 million Ukrainian citizens to flee the combat zone and forced many to find refuge in neighboring countries to save their lives and escape war crimes in occupied territories. But this war of aggression is having serious global repercussions on basic needs like food and energy for the whole world, as my co-chair just reminded us. At the same time, the COVID-19 crisis is not totally behind us. It is still burdening our economies and heavy indebtedness while maintaining our national health system under pressure for more than 2.5 years. Recent extreme climate events around the world, from scarcity of water in Europe with multiple fires to heavy flooding in Pakistan, again clearly confirm the major threat of climate change and of dramatic biodiversity loss. Those multiple challenges underline with strength that humanity is at risk and that we need more than ever a stronger multilateralism to reinforce cooperation in building and increasing our resilience to be able to tackle current and future crises to come. It is in this challenging and difficult context that we can all the more fully appreciate the value of the EU-Seychelles partnership. We share the same commitment to multilateralism as clearly stated by President Ram Kalawan and President Michel in the UN General Assembly just 2 weeks ago. Bonne causerie, il allait tout du long la journée de bons domaines tels que l'économie, l'environnement, l'économie bleue, changement climat, l'agriculture et sécurité maritime parmi les autres. Et après plus que 8 heures de discussion, cette délégation CICIL et l'Union européenne, ils donnent conférence à la presse Sylvestre Radegonde et Vincent Léger. Ils font un bilan concernant sa relation dans le contexte de la crise COVID-19, la guerre Ukraine et le changement climat. CICIL, certainement, pas suivre tout ce que l'Union européenne y voulait, position que l'Union européenne y en a, et d'après autres l'intérêt pour autres. Qui pas nécessairement dans nous l'intérêt. Mais côté converge, que nous allons supporter, nous supporter. Ou une bonne question, par exemple, sécurité maritime. OK? Qui est une affaire peut faire. Patrouille de la mer, off coast, Somalia, ainsi de suite. Qui présente dans l'Asie avant qu'ils existent aux piraterie, qui c'est celle qui peut recevoir un pirate, qui peut mettre en cours, mettre en prison,
ça l'étant, il t'y donne intérêt faire les. Donc nous t'y prenons un risque faire les. Aujourd'hui, il y en a fort dans l'intérêt de l'Europe et de la communauté internationale. Nous tenons l'Asie, ça. Il n'est plus des pirates. Il est présent, il est drug traffickers, il trafique humains, il trafique des armes, il tout. Présent, nous voulons regarder ça. Bien. Il donne l'intérêt. Si il vit ses selles, si il vit l'industrie ses selles, si il vit ses selles comme un destinat, comment, bon, nous avons besoin de la mer pour transporter quelque chose pour ici, nous dépend un free maritime route, nous avons besoin. Pour nos touristes, nous avons besoin de sécurité pour les touristes. Donc, il y a un gros problème. Nous, les qui, dans le bateau qui nous n'a pas, il est capable d'arrêter les gens qui font le trafic, donc détruire si possible, mais arrêter les autres. Là aussi côté possible. Donc quand ça mène l'intérêt, il converge. Nous d'accord. Tu en as aussi par exemple le cette affaire résolution concernant l'Ukraine. Nous ne supportons l'Union européenne pas à cause l'Union européenne dit nous supporte nous, mais à cause de nous l'intérêt. Nous comme un petit État, nous pas capable d'accepter qu'il y ait un pays qui est plus gros et ça cause plus gros. Il y en a plus la force, il y en a plus moyen. Il décide, il pour masse l'un l'autre. Il décide d'annexer le territoire. Il prend un bout, il prend. Côté ça, il met nous comme un petit l'État. N'importe qui demain, il y a venu aussi. Sur ça, il donne l'intérêt pour causer. Et vous connaissez, nous, il prend sa position vote. C'est un certain monde qui s'est critiqué. C'est celle qui a habitué, c'est tranquille, à quoi nous peut mêler nous. Nous mêler nous dans tout quelque chose qui passait. Tout quelque chose qui passait. Dans Foreign Affairs, nous avons une team, un desk officers qui monitorent tout ça qui peut passer. Et nous prenons position. It's a full day that we are dedicating to our partnership. So we look at all issues that we are addressing within this partnership. And there's a very broad number of issues. And we've been adding new issues, actually, to the table in this respect. So I think we started by discussing the overall crisis situation we are in. I think it's clear that we have a triple crisis that we have to go through. We are just finishing the COVID crisis, and we know it's still a little bit with us, and we still need to work. And I'm very happy, by the way, to use the opportunity to congratulate my colleague here, the minister, because when there are new threats coming up, I think this is the moment where the solidarity element has to come really and to be expressed. And I want to thank my colleague and friend Sylvestre for the excellent cooperation and understanding that we have developed in this in these elements. So really, we have a very frank and direct and sometimes we have disagreement on certain issues from time to time. It happens. That's life between friends. But in general, on the fundamental issue, the fundamental principles, we have the same vision, I think, and we agree on the fundamental way forward. Nouveau façon pour explorer l'énergie à partir de bonne saleté et si pour point plus mode bon programme pour donner une opportunité pour participer au développement de l'énergie renouvelable ici Cécile Tidé parmi bon point qui levé pendant une rencontre qui fait beau matin avec président Reverend Kalawan. Sa rencontre si compris une délégation sortie Mazda et la compagnie l'énergie qui basé l'Émirat Arabe Uni et représentant bon la compagnie l'énergie ici Cécile. Président de sa rencontre bon matin, c'est ministre pour l'agriculture, changement climat et l'environnement et représentant division changement climat de sa ministère. Tu aussi un représentant commission l'énergie Sicile et corporation l'utilité publique PUC. Sa délégation sorti côte Mazda, tu compris George Chinuda, qui est officier senior pour développement business et Khaled Balet, qui est directeur service l'énergie. Mazda y a la compagnie l'énergie qui est basée à Abu Dhabi. Il est venu en existence en 2006 et il est renommé au niveau mondial de l'énergie renouvelable et développement soutenable dans grand la ville. Sa rencontre, il continue à son rencontre qui a commencé le président Émirat Arabe Uni, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui visite Cécile en août de l'année, et l'annonce que le président Reverend Kalawan s'est fait dans la 77e Assemblée générale des États-Unis en New York, côté de mentionner que l'UAE, à travers Mazda, pour supporter Cécile le côté développement de l'énergie renouvelable. Pendant sa rencontre, ils ont indiqué le support qu'ils ont pu expecter gagner et la façon pour faire plus d'énergie renouvelable. Secrétaire principal pour l'énergie et le changement climat, Tony Imadoua, dit que la situation de l'énergie Cécile peut progresser graduellement.
des années, premier si ça ça une femme 6 MW, après Romainville il y a 6 MW PV et après nan, nous poser nous programme l'installation l'énergie avec photovoltaïque le toit bâtiment la case et pour à ce moment on a un petit plus que 6.5 MW système qui va installer puis partout mais prendre la digue. Après, dans la bande des autres projets qui nous permettent de développer, c'est ce qu'on appelle IPP, Independent Power Producer. Et ça, il paraît, ça floating PV, le Lago Providence, il y a un IPP project. So là, qui nous peut regarder, c'est que nous avons accéléré plus l'énergie renouvelable. Et already, de nos côtés, nous avons des challenges qui nous peuvent adresser. So, challenges qui incluent le côté policy, l'institution légale. Et ça va nous voir, j'ai already fait par le ministère, par PUC, par Energy Commission. Mais aussi, il y a des challenges qui nous peuvent faire avec réseau. Réseau, mais électricité, network qui absorbe l'énergie renouvelable. So, so, ça va un technical challenge qui nous expecte aussi, Mazdaï qui amène pour nous. Pour qu'on nous pour voir comment nous pouvons intégrer plus l'énergie renouvelable dans nos réseaux. Et aussi, il y a des challenges en termes de renforcer nos networks, introduire plus de modernes technologies. So. Département de l'énergie et changement climat peut aussi recevoir pour implémenter le programme que nous avons l'opportunité pour participer au développement de l'énergie renouvelable CCL, pareil pour le Rooftop Reconnected PV Programme. Ça, il y a un programme que nous avons encouragé pour installer photovoltaïque dans la case. M. Maduro a aussi ajouté qu'ils ont indiqué de l'utiliser l'énergie à partir de saleté pour guetter qui moyen sont capables d'explorer la possibilité pour faire un tel projet ici. Et l'autre point de discussion, pendant sa rencontre, il peut installer l'eau de l'eau dans l'hélice qui servit d'ivant pour produire l'électricité. Nous avons l'onshore, qui s'appelle onshore wind. Mais si maintenant, on exploite offshore, probablement à cause que nous avons gagné plus bon, il y en a plus bon potentiel pour d'ivant offshore. Mais, of course, nous pouvons faire sa resource assessment. Et c'est une question que nous request avec Mazda. Si vous avez fait sa resource assessment, sa resource assessment, nous pouvons vraiment déterminer, quantifier, quantité potentielle y en a offshore wind. Et once nous avons fait ça, then nous pouvons regarder sa faisabilité pour développer un offshore wind farm, whether it's financially or economically viable pour nous développer. Ce qu'on peut faire pour le moment, là, nous pouvons revoir son législation qui est ongoing, qui peut nous développer plus de programmes qui peut faire plus de monde intégré. Nous aussi peut travailler le bon incentive, promotional incentive, qui peut présent, permet de monde qui vraiment n'a pas sa income pour investir, sa cause, pour investir dans les renouvelables. Et par exemple, nous dit il y a un cost upfront. Qui a beaucoup de monde n'a pas vraiment ça associé. Nous devons regarder qui m'a nous assisté, Benjamin, qui vraiment a envie, mais c'est moyen une façon qu'ils ont investi dans cette chose. Le côté directeur service d'énergie, Koud Mazda, Khaled Balet, il dit qu'il se rend compte qu'il vient d'autre façon pour plus de collaboration et qu'ils ont pu donner tout support Cécile concernant le projet l'énergie renouvelable. There is always potential. We've been working closely with our friends here in Seychelles for the last 7-8 years past experience. We've done in the past wind project, we've done solar projects as well, and the program is increasing and growing, and we are here to help and support them. Ministre pour l'éducation, Dr. Justin Valentin, promet pour rester engagé, pour travailler avec enseignants, pour transformer toute la tasse, maintenir notre professionnalisme et créer ça l'espace qui pour autres grandit professionnellement. Ministre Valentin fait sa bonne remarque dans un message à l'occasion de la journée enseignant qui démarre le 5 octobre. Il dit que son ministère pour mettre toutes les ressources ensemble pour assurer qu'ils ont résolu sa plus meilleure expérience l'enseignement, en mesure qu'ils ont créé sa plus meilleure expérience l'apprentissage pour les étudiants. Ministre Valentin a ajouté qu'il est bon enseignant et besoin d'adapter avec des demandes nouvelles sociétés. Il a ajouté que malgré tout l'enseignement, il restait une profession qui est encore relevant et alors enseignant, il devrait continuer à inspirer bonne qui est encore plus zen.
Amnesty International et aussi certains citoyens sicilois demandent au gouvernement Sicile pour ratifier le protocole embarqué à la Cour d'Afrique pour Zizman Kalabi Douaimé qui a permis aucun Sicilois qui sentit qu'ils ont pas gagné Zizman Ziz devant la Cour Sicile capable même sous cas devant la Cour d'Afrique. Il y en a certains Sicilois qui t'y a souhaité capable à même sous cas devant la Cour comment est l'autre cours pour violation loi humaine qui se croit zotin sibi. Gouvernement Sicile à travers le département des affaires étrangères a ratifié la convention droit humain au niveau de l'Afrique le 13 avril 1992. Ça veut dire qu'il a accepté pour légalement suivre sa convention qui sont l'objectif c'est pour promouvoir droit humain par les droits pour travail, pour gagner éduqué, pour la sécurité nationale et internationale. Et vu qu'il s'est ratifié sa convention, il a besoin de promouvoir et assurer que ses bons droits de sa convention soient mis en place. À base de la convention, il y a un protocole qui est établi à la Cour d'Afrique pour droits humains qui s'est signé le 9 juin 1998. Ça veut dire que Céline donne son consentement pour suivre ce protocole, mais il n'est pas légalement obligatoire. Mais il n'a pas encore ratifié ce protocole et ça empêche son citoyen d'amener un autre cas de violation de droits humains devant la Cour. Ça droit qui est dans le charter africain et dans nous, Fundamental Charter of Rights and Freedoms, nous chapter 3, nous constitution. Tout ça droit il a dedans. Et moi, même aller plus loin, moi, va dire qu'il est beaucoup plus protégé dans nos constitutions que même dans sa charter africain. Sa possibilité, c'est la cour qui y a une cour plus globale, si vous voulez, écoute quelque chose sorti dans toutes les autres juridictions. Quelle instance que dit mon yamen saka devant la Cour internationale? Dans nos systèmes légaux, au recours et devant la Cour constitutionnelle, s'il y a un cas constitutionnel, ou soit il est devant la Cour suprême ou la Cour, si un droit civique qui permanent, après, ou capable de faire appel contre sa décision, si pas en faveur, ou faire appel contre sa décision vers la Cour d'appel. Et la Cour d'appel est le dernier recours. Si nous ratifions ce protocole, nous permettre pour reconnaître que la justice africaine y a va écoute cas sorti contre nous et évidemment y a va donne nous citoyens une autre option après qu'ils ont une prend ont une sait tout ça qui en a ici. Il y a un individu qui senti je pas gagner zisman zis de la cour ici celle et je t'envie à Mensaka devant la cour l'Afrique. Il y en a du monde qui vient voir moi. J'ai le droit d'être affecté, en particulier, il y en a qu'est-ce qu'autre l'état est passé, quantité d'état est passé. Et là, mon fait l'enquête dans d'autres cas, on voit ce qui moi m'ont senti et la justice qui t'y gagne faire au moment que les autres questions passent en cours. Et mon faire rapport, mon faire recommandation, un cas en particulier qui n'a devant la Cour constitutionnelle, mais qui n'a rejeté par le fait qu'il y a été détenu dans le passé. Avocat et individu, il cause de bandes différentes institutions, son client, il n'a pas de recours de son cas de violation de droits humains. Même si tu es out of time pour lui emmener son cas devant la Constitutional Court, la Cour est à la Oli, pour mener son cas. Et la cour ti même à la oli pour aller devant court of appeal mais de tout nous ka di devant tout la cour in perdu son cas. Tu explores sa possibilité pour regarder where to go qui option qui c'est celle nous nana et première option vi qui nous prêt avec Tanzania non même côté African Court of Human Rights ici nous tu regardes sa option mais malheureusement il n'est pas possible à cause de ce principe, le protocole pour allow son citizens pour mener cas devant la cour. Si le gouvernement Sicile ici sa protocole, il y en a l'implication qui est assez avec. C'est la Cour d'Afrique qui est capable de donner un conseil légal à sa pays. Cependant, la décision qui est la Cour donne, il gagne imposé le sa pays. Il y en a un pays, pareil la Tanzanie, qui utilise comme un membre de sa protocole. Ce même pays questionne l'intégrité de la Cour sur une action qui n'est pas tolérante et conséquences qu'il y en a les autres souverainetés. Tout pays, il y en a plus ou moins son propre approche. Là. Il y en a qui n'ont pas du tout voulu qu'il y ait l'autre pays qui ne donne aucun ordre, qui ne peut pas manager son affaire interne.
dans le cas pareil, le système judiciaire n'est pas oublié qu'il y a d'autres pays, on a un droit à regard ou les. Ou souveraineté, il est tout le temps là. Mais seulement, là, nous sommes d'accord pour dire nous ratifier cette African Charter on Human and People's Rights. Et là, nous sommes d'accord pour dire nous pédons salouverti, en comparaison, c'est de ratifier ce protocole. Nous pédons salouverti, ça l'opportunité, nous bons citizens, pour aller plus loin, pour aller dehors, la Cour Cécile. Si nous tombons d'accord, là, nous devons tomber d'accord avec tout ce qui suit avec. Et ça qui suit avec aussi, il vient un jugement qui est capable de contre et au besoin d'enforcer un jugement dans le pays. African Court of Human Rights, il passe aussi, écoute bon cas, il aussi donne bon advice d'opinions, le bon legal matters qu'il a pour faire avec Charter. Si et ça est capable de mener même par l'État. Si le gouvernement est senti pour dire qu'il y a une telle provision de la loi en comparaison qui peut l'emmener, il est senti qu'il y a un petit peu controverse et qu'il y a quelquefois une implication de l'urban individu, il est capable de demander un advice d'opinion avec ça la Cour. À part de qui protocole la Cour d'Afrique qui se celle pour qu'on ratifie, un individu capable de mener son cas devant le comité droit humain des Nations Unies, vu qu'il se celle de ratifier sa convention droit humain des Nations Unies. Quelle position c'est celle vis-à-vis protocole la Cour l'Afrique? À cause qu'après plus de 20 ans, c'est celle pour qu'on ratifie sa protocole, qui donne l'application de sa protocole pendant le CCL. SBC a contacté le droit concerné pour donner la réponse pour sa bonne question, mais jusqu'à présent, je ne peux pas donner la réponse. L'hospitalité, la musique et manger, trois l'aspect qui domine sa première Tourism Bowl, le pralin. Dans sa soirée, trois pionniers dans l'industrie du tourisme et qu'il dit le pralin, tu gagnes reconnaître. Un morceau de la musique qui a environ 180 invités, tu gagnes sans s'apprécier. Le violoniste Charles L'Espérance est invité et professionnel en musique qui a fait une performance spéciale. Et il a été reconnu dans sa première Tourism Bowl pralé pour son contribution dans la musique. Sa Tourism Bowl est une bonne activité le programme festival là et qu'il y ait pralé. Nous sommes contents de faire ce Tourism Bowl ici pralé. Nous sommes contents qu'il y ait un bon du monde sorti maïe qui est venu, la pièce Francis avec Calibi. Il est incroyable. Il vraiment montré où qu'il prend là aussi. Nous avons fait bon, quelque chose qui est fantastique. Nous prenons ça l'opportunité pour remercier bon du monde pralé qui est pionnier, either dans culture ou bien dans tourisme. So, nous méritons. Tout bonne fois, nous faisons monte maïe pour faire bon festival ou quelque chose. Là, cette fois-ci, nous faisons ici pralé. Nous remercions bon du monde pralin pour bon quelque chose qu'ils ont fait. Il y en a tant quelque chose qui nous fait aussi pralin. Dès les autres monde qui nous contribuent beaucoup dans le tourisme et que Kirti pralin et qu'ils reconnaissent, et William Rose, connu pour son service bateau, et Bette Telemac, fondateur Ben Island Vibration. Pendant sa soirée, bon invité, tu aussi apprécié un défilé la mode par bon mannequin Telly's Modeling Agency qui te fait montrer collection styliste étrangère Londi Way. Des procès bulletins, nous pour apprendre plus les contributions que Charles Espérance, William Rose et Bertin Télémarquine fait dans l'industrie du tourisme et qu'il dit Cécile. Voilà, c'est là que nous terminons le bulletin pour la soirée. Merci pour suivre. Bonsoir.